Salut tout le monde, c'est Neverback George et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la carrière avec Valenciennes. Et donc aujourd'hui au programme, match de championnat contre Lille avec les remplaçants, donc un derby, le premier derby de la Ligue 1. Et match d'Europa League contre West Bromwich avec les titulaires. Donc c'est plutôt un bon programme, donc on va lancer tout de suite le premier match. Et on va pouvoir mettre l'équipe B, on va se mettre le maillot là, et on va leur mettre le maillot autre. Donc l'équipe B, donc Ioa Da Costa, Bergugno 6, Andrieu Leborgne. Ah oui, effectivement, je vous ai demandé donc si je laissais... Bon, pour l'instant, je vais le laisser Neri. Hein. Si je laissais Neri dans l'équipe A ou pas. Vous êtes assez mitigés. Il y en a beaucoup qui veulent qu'il reste en équipe A, d'autres non. Donc ce que je vais faire, en fait, moi, c'est que je vais lui reproposer un contrat. Et s'il le refuse, je considérerais ça comme un clash. Enfin, qui veut aller au clash. Et en général, quand un joueur part au clash avec son club... Il joue plus. Donc s'il me refuse à nouveau le contrat, je le passerai dans l'équipe B, tout simplement. Alors donc du coup, au niveau de l'épisode précédent, au niveau de l'homme de l'épisode, ça a été énormément serré. C'est la première fois que c'est autant serré. Donc on a Ioa qui est arrivé dernier dans tous les cas, avec donc 9% sur le sondage YouTube et 13%, ce qui correspond à 4 votes sur le sondage Stropol. Donc lui, il arrive dernier. Arrive deuxième, du coup, c'est Fulgini, avec 45% sur le sondage YouTube et 40% sur le sondage Stropol, ce qui correspond à 12 votes. Et donc, du coup, arrive en tête, c'est Kevin Akpoguma, avec 45%, tout comme Fulgini sur le sondage YouTube, mais sur le Stropol, 47%, ce qui correspond à 14 votes. Donc, ça s'est joué à 2 votes près, entre Fulgini et Akpo. Et donc, du coup, Akpo devient le premier défenseur homme de l'épisode pour son premier épisode entier. Donc ça fait plaisir, hein, comme quoi c'est déjà une bonne recrue. Et c'est le premier joueur qui n'a pas un... Oh, regardez Moukile, il a une de ses coupes. Et c'est le premier joueur qui n'a pas un A comme prénom, un prénom qui commence par un A, qui est lui homme de l'épisode. Donc c'est assez drôle à ce niveau-là. D'ailleurs, Moukile, si vous avez suivi l'actualité, Moukile qui en vrai vient de signer à Montpellier. Assez bien pour lui, je suis content. C'est un joueur que j'aime bien, donc on va pouvoir le voir enfin en Ligue 1. Allez, Leborgne avec Ioa, Andrieu. Et la dernière chose dont je voulais vous parler, c'était donc le nom de la célébration de Cherbakov. Alors attendez, attention à Niakate là. Niakate qui joue avec Bergugno qui a récupéré le numéro 10. Comme vous pouvez le voir, je l'ai mis entre les épisodes. C'est Bergugno qui a récupéré le numéro 10. Et donc du coup, la célébration de Cherbakov a été votée donc du coup par 11 personnes. Donc vous étiez beaucoup à choisir celle-ci, qui a été proposée par Mugiwara, qui n'est autre que Cherbaspin. Le Cherbaspin, c'est assez stylé. J'aime bien, ça me plaît beaucoup. Attention Benzia. Andrieu. Ouf. Andrieu qui a fait des bons débuts hein, pour son premier match. Et là, il va jouer du coup encore une fois. Mais je pense qu'à la fin de l'épisode, je le mettrai titulaire. Tout dépend de sa performance et de celle de Neri. Enfin, tout dépend de Neri s'il accepte le contrat ou pas finalement. Mais Andrieu a de grandes chances de passer titulaire. Parce que moi, le fait qu'on me refuse un contrat, je vais pas continuer à faire jouer un joueur alors qu'il veut pas rester. Je vous le dis clairement. Enfin, je le ferai jouer, mais dans l'équipe B du coup. Allez, donc comme vous pouvez le voir, hein, il n'y a pas la webcam. Alors c'est vrai que, donc du coup, je vais vous expliquer, cette semaine entière, à part la carrière avec Plymouth, qui celle-ci est pas considérée, enfin, ne sera pas dans ce système-là, je teste, comme je vous ai dit dans l'épisode de vendredi, et dans l'épisode de The Witcher, mais vous n'êtes pas beaucoup à suivre The Witcher, hein, donc je vous l'explique, je teste un nouveau moyen de record, donc je record autrement pour une meilleure qualité vidéo, mais ça ne me permet pas de mettre la webcam, simplement parce que j'arrive pas à aligner en fait la webcam avec l'audio et le son du jeu. Je vous explique, parce que donc, du coup pour faire ça il faut que j'ai une prévisualisation de la vidéo, ce qui est logique, mais comme ça fait beaucoup de contenu sur une seule vidéo en fait, enfin sur une seule image, j'ai le son, enfin sur un seul montage pardon, j'ai le son, l'audio, la webcam et un overlay, ce qui fait que la prévisualisation lag un peu, et donc du coup elle lag et ça ne me permet pas de pouvoir aligner en fait, vu que ça lag, et quand j'ai que l'audio et la webcam, enfin, que l'audio et le jeu, pardon, sans la webcam, ça ne lag pas. Donc du coup, c'est pour ça que je teste comme ça cette semaine. Normalement, la qualité vidéo est meilleure, mais sans la webcam. Donc dites-moi dans les commentaires si vous préférez que je reste comme ça, donc avec une qualité vidéo bien plus belle, logiquement, même si sur FIFA, pardon, c'est pas flagrant.
Bien joué, Kantari, encore les. Donc voilà, si je reste comme ça. Ouh, bien joué, Nyakate. Ou si du coup on repasse sur l'ancien système avec une qualité vidéo un peu moins belle, mais la webcam, et on reprend comme d'habitude. Donc les vidéos concernées par ce nouveau système sont la carrière avec Valenciennes et les deux let's play sur Assassin's Creed et The Witcher. Et je ne le fais pas sur la carrière avec, avec Plymouth, parce que ça me demande beaucoup de montage. Et du coup, comme je vous dis, ça lag pas pour... Enfin, ça lag légèrement quand je mets pas la webcam, mais j'arrive quand même à aligner le son et ma voix. Mais du coup, pour faire un montage entier comme je dois le faire sur The Witcher, c'est malheureusement pas possible. Ça lagra trop, j'ai pas le PC performant pour ça. Donc du coup, pour la carrière avec Plymouth, on reste sur l'ancien système. Et donc du coup, dites-moi vraiment à la fin de la vidéo dans les commentaires si vous souhaitez que sur la carrière avec Valenciennes, on reste comme ça, ou si on passe sur l'ancien système. Et pareil pour les deux let's play. Donc sur The Witcher, pour ceux qui regardent, vous avez dû me le dire normalement dans la vidéo d'hier. Et pour ceux qui regardent Assassin's Creed, n'hésitez pas à me le dire dans la vidéo de demain. Voilà, tout simplement. Allez, pour l'instant, nous, on subit un petit peu là depuis quelques minutes, depuis que je parle. Palmieri, Benzia. On subit un peu, mais bon, ça fait toujours 0-0. On est toujours invaincu en Ligue 1 pour l'instant, c'est vrai. Deux victoires, deux nuls. Allez, Kantari avec Andrieux. Le Borgne, Ioa. Bergugnu pour sa Lucis. Nyakate avec Da Costa. Da Costa. Mi-temps sur le score de 0-0. Première période assez lente. Mais vous avez l'habitude maintenant, les premières périodes du premier match sont assez lentes parce que je dois vous dire des choses. Et donc du coup, il se passe rien du tout. Aucune frappe dans ce match. Pas mal. Gossens qui est passé à 64 de général. C'est pas mal. C'est pas mal ça. Allez, on est reparti pour la deuxième mi-temps et du coup cette fois-ci on va se concentrer sur le gameplay. Vu que je vous ai beaucoup parlé dans la première mi-temps. Maintenant on se concentre. Allez, et on va essayer de faire quelque chose de bien. Allez, on a fait une faute, c'est pas grave. On a 60% de possession de balle, c'est quand même pas mal. Allez, la récupération d'Andrieux, ça c'est bien joué avec Nuno Da Costa. Nuno Da Costa avec Andrieux. Andrieux encore. Avec Ioa. Ioa qui cherche une solution. Il est seul, Ioa. Il joue en retrait avec Andrieux. Andrieux qui a été repris. Mauvais contrôle de sa part. Benzia s'est contré par Andrieux. Boteak avec Yacine Benzia. Yacine Benzia encore. Benzia s'est repoussé par Gossens. Attention! Et Gossens sort de temps. C'était chaud là. Allez, Bergugnu, dommage. Sivelli, Da Costa, bien joué Da Costa. Bonne récupération avec Ioa dans la profondeur. Ioa, oh dommage, il a tenté le petit pont sur Soumaoro. Si ça passait, ça aurait été beau. Ça aurait été très très beau. Et il y a quelqu'un dans les commentaires, alors je me souviens plus c'était qui. Il me semble que c'est Axertiz, je suis plus sûr. Qui m'a dit de signer l'ailier gauche, Gabriel Gillen, pour le mettre en concurrence avec Dubois au poste d'attaquant. Mais après, j'hésite un peu parce que c'est pas le même poste. Gabriel Gillen, si je l'utilise, je sais pas pourquoi je le sens bien en milieu offensif. Il joue AG et j'espère qu'il peut jouer MG MOC en fait. Pour être honnête avec vous, parce que moi je le vois plus comme un MOC que comme un BU en fait, Gillen. Donc c'est pour ça que je vais peut-être le signer à la fin du mois ou le mois prochain pour voir qu'est-ce qui vaut comment dire. S'il peut jouer MOC en fait, ça, tout simplement. Allez, donc on va faire des petits changements. On fait rentrer Upamecano, tiens, à la place de Kantari, pour ses débuts, lui aussi, son retour à Valenciennes. On va faire rentrer le petit Dubois à la place de Bergugnu. Et on va passer Ioa en 10. On va tenter ça comme ça. Et c'est le Borne qui récupère le brassard. Et bah dis donc. Allez. Upamecano qui est parti loin devant, là. Attention, ça a été décalé par Mukiele. Et on obtient la touche, pas mal ça. J'aime bien le style de Dubois. Il est gros, enfin il est costaud. Et il a, je sais pas, il a la classe sur le terrain, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. Je le trouve classe sur le terrain, Dubois. D'habitude, les jeunes du sort de formation, ils sont souvent fins, tout ça. Lui, il est costaud, mais vraiment quoi. Et là, Dubois justement, oh, il y a faute. Oh dommage. Et d'ailleurs, vous m'avez dit de donner la célébration de butin à Dubois. J'hésite un petit peu parce que Dubois, c'est un peu un Renoir. Et je le vois mal faire la célébration de butin, mais on va peut-être essayer. On verra bien. Pour l'instant, il a pas encore de célébration.
N'hésitez pas à... Et voilà, le borgne encore. Le borgne qui vient encore marquer, lui qui n'a pas de célébration, donc c'est pour ça. Il a récupéré le brassard, il inscrit déjà son deuxième but avec Valenciennes. Incroyable, le borgne qui est remplaçant en plus. Excellente recrue. Donc du coup, je disais, pour Dubois, n'hésitez pas à lui proposer des célébrations. Pas des noms, hein, de célébrations encore. Plutôt des célébrations tout court que je pourrais faire, que je n'ai pas encore attribué à des joueurs. Parce que ça pourrait être pas mal de, du coup, de lui en donner une. Et celle de Butin, je suis pas fan. Honnêtement, je suis pas fan de lui donner celle-là. Après, pourquoi pas, on verra bien, mais... Je vais essayer de la faire, là, si c'est lui qui s'y marque, par exemple. Mais sinon, n'hésitez pas à m'en proposer d'autres. Pour l'instant, il a pas de célébration attitrée, Dubois. Après, certains vont me dire qu'il court vers moi, parce que c'est moi qui l'ai fait signer. J'arrive pas forcément à toujours le faire, mais après, ça peut être faisable également. Ça peut être faisable, ouais, c'est possible. Allez, salut 6, justement, avec Dubois, la frappe totalement manquée. Ah, j'aime trop le voir sur le terrain, il est costaud. Allez. Il reste encore 20 minutes, on mène dans ce match, on est plutôt bien dans ce derby. Attention, Eder qui a totalement pris Mukiele là. Eder, et l'arrêt de Gossens. Oui, Gossens, Ioa. Avec Dubois, Dacosta. Dacosta avec le borgne. Le borgne, justement, le buteur de ce match. Avec Dubois. Dubois vers Ioa en profondeur, c'est un peu trop fort. Ah, oh, dommage, Dubois. Ouais, pour l'instant, il a un peu de mal à commencer sa carrière, mais il a un petit général. Après, comme je ne sais plus qui m'a dit dans l'épisode précédent, il a pris plus 2 dans l'épisode en général. Donc, si en un épisode il prend plus 2, sur une saison, ça peut être assez bon. Allez, le centre, attention, il est bon, mais c'est pas terminé. On se relance. Elle, on a un bon contre avec Dubois. Ah, c'est, il a été pris par Amelfitano. On va avoir des contres hein, dans cette fin de match. Ça pourra faire soit 1-1, soit peut-être 2-0, mais il va se passer quelque chose, je pense. Nangis avec Soumaoro et Gossens. Gossens qui est encore présent, qui dégage, mais c'est contré par Soumaoro. Nyakate qui récupère avec sa Lucis. Le borgne. Ioa avec Dacosta. Nuno Dacosta, ça fait très longtemps qu'il a pas marqué, Nuno Dacosta. La passe. Oh, c'est mal joué. Boteak avec Nangis, il est hors jeu Eder. Heureusement pour nous. Allez, on va jouer court avec Mukiele pour Andrieux. Le borgne. Ioa. Salut 6. Nuno Dacosta. Dacosta repris par Sankaré. Et le contre Lillois. Attention, ils sont nombreux. Andrieux qui revient sur Eder. Est-ce qu'il va y arriver? Non. Eder qui fait n'importe quoi. Heureusement pour nous, mais Upamecano qui récupère avec Andrieux pour le borgne. Le borne pour Dubois avec Ioa. Ioa dans la profondeur pour Dubois. Dubois, il est passé. Il résiste à Palmieri, Dubois. Encore Dubois, bien joué. Ah, il n'a pas réussi à faire la passe. Alors on voit que dans ses mouvements, il est un peu lent. Hein. Il prend du temps. C'est normal, il est encore très très mauvais. Mais il va s'améliorer. Allez, Dacosta justement avec Ioa. Ioa, Dacosta, vous n'avez toujours pas vu sa célébration d'ailleurs. Hein. Dacosta, j'aurais peut-être dû tirer, mais au départ, je pensais que j'allais être mal placé. Ioa, le borgne. Le borgne avec Dubois. Dubois, bien joué. Dubois, le centre. Hein, il est un peu trop fort. Mabouba qui la touche pas. Je sais pas s'il l'a touché. Mais c'est terminé dans tous les cas. Victoire 1-0 contre le LOSC. Et bah, encore une fois, en championnat, on est pas mal. Hein. 3 victoires de nul. On est dans la tête du championnat grâce à le borgne. Et regardez, on s'est fait dominer. Hein. Oh, on s'est fait dominer, on a marqué sur notre seule occasion. Réussite quand tu nous tiens. Le borgnum du match, assez logique. Assez logique pour ce premier match de l'épisode, c'est plutôt pas mal. Pas mal, c'est bien, on est dominé, mais on arrive à gagner quand même. Ça veut dire que c'est bon signe pour la suite. Si on arrive à pas totalement dominer tous nos matchs, ça peut être bien quand même. C'est qui notre nouveau héros? Alors pourquoi ça bug là? Ah, merci. Un nouveau héros, c'est qui? Et c'est le borgne, justement. Le borgne qui devient un héros. Allez. Oh, ça lag, regardez, je peux rien faire, là. Incroyable, ce jeu, comme il lag. Voilà. Merci, conférence de presse, on s'en fiche. Et du coup, on va reproposer un contrat à Neri, tiens. On va reproposer un contrat à Neri. Voilà, ça relag. Waouh, c'est incroyable. C'est quoi ce jeu, là? Équipe, transfert, contrat. On va lui proposer un peu plus que ce qu'il veut. Neri, il est où? Il est là. 3300, il veut 4300, on va lui mettre 5000.
est titulaire indiscutable. S'il veut pas, à la fin de l'épisode, je passe Andrieux en équipe A. Ouais, je suis comme ça. Encore, ça aurait été un joueur pas très bon en équipe B, alors que là, c'est vraiment un futur espoir. En vrai, ça serait réaliste qu'il passe en équipe A, je vous le dis. Alors, faire nos petits entraînements, justement, avec Andrieux, avec nos petits jeunes, là. Qu'est-ce qu'on a ? Andrieux qui passe à 60, ça, c'est bien. Et Dubois qui passe à 58. C'est bien. Heureusement que je leur mets deux entraînements, à Andrieux et Dubois. Comme ça, ils peuvent bien s'améliorer. Allez. Et du coup, ça va être les débuts de Florian Ayer. Florian Ayer qui a également une célébration. Oh là, encore une fois, ça lag. Merci bien. Allez. West Bromwich Albion. Premier match européen contre une très bonne équipe anglaise en plus. Et j'aime bien le groupe qu'on a. Il est très équilibré. Sporting Lisbonne, West Brom, Anderlecht. Trois équipes de niveau semblable. On n'a pas une équipe super naze ou quoi. On a vraiment trois bonnes équipes avec nous. On est l'équipe la plus faible du groupe, hein, même, on peut le dire. Donc c'est plutôt cool. Regardez comme ça, c'est long à charger. Oh, le menu, il lag à mort, là. Je sais pas ce qu'il a. Voilà, merci bien. Et non, pas encore. Je sais pas pourquoi ça lag comme ça. Je sais pas du tout. Ça arrive par moments que ça lag à mort, mais bon. C'est assez gênant. Allez, du coup, les débuts de Florian Ayer, regardez. Justement, vous le voyez là. Et regardez, je lui ai mis les paires de baskets, c'est les Jordan. C'est les Jordan Neymar. Elles sont trop belles, ces chaussures-là. Et je lui ai mis ces pompes-là. Et il est plutôt classe avec son bandon blanc, ses chaussures blanches. Et son numéro 9. Son numéro 9 récupéré à Butin, justement. À Edouard Butin qui est parti. Donc, si je me souviens bien, il est parti à Nîmes. Ouais. Il est parti à Nîmes, le petit coquin. Allez, le chargement du match se passe. Voilà, Cherbakov qui est maintenant titulaire. Alors qu'il était dans l'équipe B l'année dernière. Ouf, grosse frappe manquée de Cherbakov. Au départ, vous vouliez que ce soit lui, hein, le numéro 10. Mais j'ai décidé de lui laisser le 18 parce que le 18, c'est mon anniversaire. Et c'est un numéro que j'aime beaucoup. Donc du coup, comme je lui attribuais ce niveau-là, j'avais pas envie de lui changer. Voilà, regardez Florian Ayer. Vous imaginez quand même qu'on a vendu Butin 1 million et qu'on a acheté Ayer 1 million 100. C'est quand même assez ouf. Hein. En sachant, bon, ok, on n'a pas récupéré les 1 million total sur Butin, mais bon, la somme est là. Ils ont payé 1 million pour Butin, alors que s'ils rajoutaient 100 000, ils pouvaient avoir Ayer, quoi. Et regardez Ayer justement, Ayer qui se montre direct, quoi. Le mec, il a pas le temps. Allez, Fujini avec Faustin. C'est un bon centre, mais c'est trop sur Foster. Et attention à Rondon. Rondon qui lance, et Neri qui va récupérer. Neri avec Akpo. Akpo avec Gutiérrez. Fujini. Ayer. Cherbakov. Oh, faute. Y'a pas faute? Oh, la blague. McManaman. J'ai pas le temps de voir son nom. Mais elle, attention, se concentre. Et Ondgainé, bonne défense. Et Jacob qui la sort en plus. Très bonne défense d'Ondgainé. Loris Neri. Avec Tamez. Tamez avec Ayer. Et qui lance Fujini, justement, le capitaine. Fujini. Fujini. Oh là là, quelle puissance de Fujini. Faut venir l'aider. Eh oui, il fallait venir l'aider. Chadli qui relance. Est-ce que ça sort? Là, ça sort. Wakpo va la sauver. Oh, le contrôle de la poitrine d'Akpo, magnifique. L'homme de l'épisode précédent. Il est en confiance. Oh, attention, Jacob. Caboret, lui, ne l'est pas, hein, parce que là, il vient de faire une grosse erreur. Et Philips qui part en contre. Philips, c'est Rondgainé qui va se mettre devant lui. Le centre. Mésonial, sans aucun souci. Florian Ayer perd le ballon au profit d'Evans. Chadli. Il la joue un petit peu comme au hand, hein. On fait tourner. Chadli à nouveau face à Ayer qui est redescendu. Hein. Oh, il est toujours passé, Chadli. Chadli le centre au deuxième poteau, attention. C'est raté. Phillips qui a pas pu récupérer le ballon. Ce sera une touche. Et début de match assez tendu. Hein. Assez tendu, on avait bien commencé là, avec la frappe d'Ayer, on aurait pu marquer. Mais sinon, on voit que West Brom et Nathan attend une victoire de ce match. Hein. Allez, Cherbakov qui est lancé dans la profondeur. Cherbakov il est passé. Oh dommage, il était lent à revenir. Parce que son dribble était passé. Allez, Niom face à Gutiérrez. Il arrive quand même à lancer Phillips. Face à Caboret. Phillips qui va beaucoup plus vite que Caboret. Le centre en retrait pour Rondon. Pour McManaman. Et voilà, Mésonial. Et il joue bien la West Brom. Il va falloir faire attention, Faustin. Marlon Santos. McManaman. Niom. Avec Phillips. Avec McManaman. Centre contré, mais Mésonial n'a pas été surpris. Moi un peu, parce que je m'attendais pas à voir la balle là. Allez, Cherbakov.
Cherbakov avec Faustin qui la remet à Cherbakov. Ce trio, il peut faire très mal. Faustin, Cherbakov, Aïe. Franchement, c'est un trio qui peut faire archi mal. Ils sont pas encore à 70, aucun des trois, mais je pense qu'avant la fin de saison, ils seront tous les trois à 70. Et pour l'année prochaine, ça risque de faire très mal. Pas cette saison, forcément. Parce que là, c'est une saison vraiment de transition, le temps que les joueurs s'améliorent. Parce qu'ils sont pas encore à 70 de général. Il y en a très très peu, il y a que Fujini qui a 71, mais sinon les autres, c'est pas top. Et voilà justement Fujini qui relance avec Caboret. Caboret avec Faustin. Faustin pour son copain, Cherbakov. Cherbakov, voilà, il a évité. Bien joué, le petit dribble qui lui a permis d'avancer avec Loris Neri. Attention, ça peut être dangereux. Loris Neri avec Faustin. Ah, la passe pour Aïe n'était pas bonne malheureusement. Pocognoli. Gnome. Oh, qui perd la balle au profit de Faustin. Faustin qui enroule et Foster qui était bien présent. Faustin vers Foster. Pas mal ça. Chadli qui met la tête, ça va sortir normalement, ouais. On va obtenir la touche. 33ème minute. Allez, Cherbakov. Avec Fujini. Loris Neri. Avec Fujini à nouveau. Avec Florian Aillé. Florian Aillé aux fautes. Ouais. On obtient le coup franc. Et c'est Faustin qui va s'en charger. Est-ce qu'on va mettre un deuxième coup franc dans cet épisode? Oh, c'était mal parti, mais Faustin va la récupérer. Faustin, le centre, il est bon. Il est bon pour Fujini, son capitaine. Oh, il était totalement seul, Fujini. Comment il a pu rater cette tête? Oh, c'est vraiment dommage, là, pour le coup. Allez, Akpo. Aïe, Cherbakov. Faustin avec Cherbakov. Cherbakov encore, peut-être, non. Oh, c'est assez tendu ce match, ça va des deux côtés, il peut se passer des choses. J'aime plutôt bien l'ambiance qui est autour de ce match, et voilà, Gutiérrez qui est présent. Tamez, attention qu'il perd la balle. On a un peu de mal au milieu de terrain entre Tamez et Caboret là. C'est les deux que je sens un peu en souffrance dans ce match. Chadli face à Loris Neri. Neri le centre et Mézonial. Ça va pas l'embêter, tranquillement. Cherbakov avec Caboret. Caboret avec Aïe. Aïe. Aïe avec Faustin. Faustin. Oh, dommage, c'était bien tenté. La remise avec Aïe. Pas beaucoup de temps additionnel, seulement 2 minutes. Ondgainé, bien joué. Deux récupérations là consécutives d'Ondgainé. Faustin qui récupère. Tamez. Cherbakov. Caboret qui perd encore un ballon. Je vous dis, Tamez et Caboret, je les sens un peu en souffrance là. Je les sens légèrement en souffrance. Et allez, on va regarder les stats à la mi-temps. Ça doit être assez équilibré, je pense. Hein. 2 tirs 1 cadré, 5 tirs 3 cadrés. Bon, on a un peu plus de frappe, mais je les sens assez dangereux, honnêtement. Donc, c'est très très équilibré cette première période. Allez. La seconde période qui démarre à l'instant même. Alan Santos. Chadli. Chadli avec McManaman. Pocognoli. Gnome. Avec Phillips. Phillips, le centre, il est bon le centre. Loris Neri, attention. Attention Neri. Il a perdu la balle. Marlon Santos, c'est la barre. La barre qui sauve Mézonial, c'est pas terminé, Fulgini. Faut essayer de se débarrasser du ballon là. Enfin, de pas s'en débarrasser, mais je veux dire de le bouger de notre surface. Et c'est Loris Neri justement qui peut contrer. Loris Neri. Neri avec Cherbakov. Cherbakov. Oh, Smalling qui est parti au Real. Allez, Jacob. Avec Niom. Phillips. Phillips qui essaie de devancer Gutiérrez. Et il y arrive, il va plus vite. Il est un peu embêtant ce Phillips. Mais Gutiérrez qui lâche pas. Niom. Et Gutiérrez encore qui récupère. Bien joué Gutiérrez. Avec Fujini justement. Faustin. Faustin qui lance Gutiérrez. Gutiérrez, ah, il a pas trouvé de solution. Tamez qui s'est fait passer par Philippe justement. Gutiérrez qui essaie de revenir. Marlon Santos et Gutiérrez. Gros retour défensif encore une fois. Allez, Fujini avec Tamez. Tamez pour Cherbakov. Avec Aïe. Aïe qui donne bien à Caboret, c'est bien joué ça. Caboret cherche une solution. Ah, il la trouvera pas. Et Chadli qui récupère. Marcelo, Pocognoli, Jacob. Attention,
Attention le contre, Pocodioli. Tamès qui essaie d'y aller, mais Neri, il est pas là. Il n'est pas encore redescendu, Neri. Tamès qui récupère, bien joué. Caboret, Tamès. Caboret, Cherbakov. C'est bien, on a bien construit là, Fujini. Fujini avec Caboret. Faustin. Faustin avec Florian Haye. Haye avec Caboret. Caboret là-bas avec Loris Neri. C'est bien joué. Neri qui va centrer au deuxième poteau. C'est bien joué, mais Foster était bien présent. Un peu trop long le centre. Il aurait fallu qu'il soit tendu. McManaman. Phillips. Phillips face à Ondgene. Ondgene qui défend bien, mais Phillips qui lâche rien. Il fait un très bon match le milieu là de West Brom. Allez, Caboret. Avec Gutiérrez. Ah, qui a été repris par Phillips. Hein. Et on obtient la touche. Gutiérrez. Caboret. Gutiérrez. Faustin qui a vu partir Cherbakov. C'est bien donné. Cherbakov. Cherbakov qui revient en retrait. Il n'a pas de solution. Faustin. Faustin avec Loris Neri. Loris Neri. Face à Chadli. Je joue derrière avec Tamez. Ils sont bien regroupés là derrière. Faut essayer de trouver une solution. On l'a avec Caboret. Gutiérrez. C'est pas passé, mais Caboret qui récupère. Caboret. Caboret pour Florian Haye. Haye en faute. Mais oui, quel gros tac de Niom sur Haye qui avait l'occasion de tirer ou de faire une passe. J'allais faire une passe en retrait, honnêtement. À Gutiérrez. Et le carton rouge derrière. Le carton rouge pour Alan Niom, l'ancien joueur de Watford. Et qui va tirer le penalty? Qui va le tirer? C'est Cherbakov. Cherbakov qui se présente face à Foster. Cherbakov. Et c'est dedans! Cherbakov! Le Cherbaspin qui va arriver. Le voilà! Le Cherbaspin! Premier but européen pour Valenciennes. Il est inscrit par Alexander Cherbakov sur un penalty obtenu par Florian Haye. Et voilà. Premier but en Europa League pour nous. C'est Cherbakov qui fait son Cherbaspin. Il célèbre son nouveau nom de célébration. Le Cherbaspin. J'adore, hein, j'adore ce nom. Et du coup, on mène 1-0 dans ce match. Il reste 10 minutes, un quart d'heure même. Et ils sont à 10. Donc logiquement, on devrait tenir ce match. Allez, Jacob. On a eu du mal au début du match, hein, mais là, on est un peu plus à l'aise. Là, logiquement, ça devrait le faire. Hein. Ça devrait le faire dans les 10 dernières minutes parce qu'ils vont devoir tout donner offensivement. Mais ils sont à 10. Donc il va y avoir des trous derrière. Marcello. Neri. Attention, on gagne. Attention. Voilà, bien joué, on gagne. Très, très bien joué. Loris Neri avec Cherbakov. Cherbakov avec Faustin. Faustin pour Cherbakov. Et là, regardez, il y a des trous sur le côté. C'est pour Loris Neri. Loris Neri qui accélère. Loris Neri. Loris Neri, le centre vers Cherbakov. Mais c'est Morrison qui dégage. C'était bien tenté, ça. Fujini au corner. Il est bien tiré. Il est bien tiré. Foster qui repousse. Ça revient avec Tamez. Quoi? Oh, il y a faute. J'allais pouvoir envoyer une grosse frappe avec Tamez, là. Est-ce qu'il va la jouer court? Non. T'es venu presser avec Cherbakov. Attention, Wright. Morrison. Chadli. Chadli avec McLean. Ça Gutiérrez. Attention, McLean, il est frais. Hein. Il vient d'entrer. Le centre. Maisonial, bien joué. Gutiérrez. Gutiérrez. Ah, il a été repris par McLean. McLean qui essaie de la donner. Il la donne proprement à Morrison. Morrison. Le centre de Morrison. Bien joué, Akpo. Très, très bonne défense. Faustin. Faustin pour Haye, bien joué avec Cherbakov. Cherbakov, est-ce qu'il va réussir à aller au bout? Est-ce qu'il va réussir à y aller? Ah, il a été repris. Il a la fatigue là, Cherbakov, hein, dans cette fin de match. On sait qu'il a un problème un peu au niveau du physique. Attention, c'est lancé dans la profondeur là, Marcelo. Et c'est certainement la dernière occasion de ce match. Allez pour West Brom, pour l'égalisation peut-être. Le centre, il est bon. Gutiérrez qui dévie. Et le dernier corner du match. On va faire partir Faustin au cas où. Oh, Maisonial. Oh, Maisonial. Attention. Rondon. Maisonial qui repousse. Et Akpo qui lance Faustin. Oh non, il peut pas les marquer. Faustin, il était à deux doigts d'aller marquer. Là, regardez, il était seul. Mais dommage. Victoire 1-0. 2-1-0 sur ce match. C'est pas mal du tout. Par contre, dans les ralentis, attendez, je vais voir quelque chose. Moment fort. Invalidé. Comment ça, invalidé? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Il opte pour le centre. Et pourquoi Florian Haye? C'est quoi le rapport avec Haye? C'est quoi le rapport avec Haye? Invalidé, mais Haye, il a rien à voir dans cette action, c'est West Brom. Ils sont totalement drunk. Qui est l'homme du match? Bon, je pense que c'est Cherbakov. Et non, c'est Haye! Haye, parce que c'est lui qui a obtenu le penalty, oui. Effectivement.
Donc du coup, on va voter pour l'homme de l'épisode hein, dans ce match. Enfin, dans cet épisode, pardon. Alors, je mets trois prétendants à l'homme de l'épisode. Donc Jordan Le Borgne, qui a été le buteur dans le premier match, qui nous a offert la victoire. Alexander Cherbakov, qui nous a donné la victoire dans le deuxième. Et Florian Hayé, qui aura obtenu un penalty et aura fait un match pas trop dégueu dans le troisième. Neri refuse son contrat. Attends, avec une nouvelle, car il n'est pas disposé à la signer, quelles qu'en soient les clauses. Cela venait nécessairement dire qu'il cherche à changer de club, ainsi nous devons préparer à cette éventualité. Voilà, donc là il nous dit clairement, allez vous faire foutre. C'est clairement ce qu'il a dit, hein. Donc vous savez quoi? Alors là, moi ça pardonne pas ça, hein. Tu me fais pas ça. Tu me fais pas ça. Donc Andrieux, tu passes en titulaire, et Andrieux, tu passes en remplaçant. Donc on essaiera de le vendre Neri à la mi-saison pour pas qu'il parte gratuitement. Mais ça risque de faire comme avec Purrington à Plymouth, qui n'a pas voulu re-signer. On a eu la même situation. Alors attendez, est-ce que Upamecano? Non, il peut pas jouer DD. Est-ce que Mukiele, il peut? Est-ce que ça vous tenterait pas, dites-moi, de mettre Mukiele en défenseur droit et de mettre Upamecano en défenseur central et Neri sur le banc, du coup? Est-ce qu'on ferait pas ça? Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Si ça vous intéresse qu'on fasse ça. Je pense qu'on le fera dans le prochain match que je vais tourner juste après parce que là, les remplaçants vont jouer dans 2 jours. Donc Neri sera pas frais. Mais je suis bien tenté pour faire ça, moi. Je suis bien tenté pour mettre Neri totalement hors du terrain. Parce que je refuse qu'on se moque de moi. Comme ça, le mec ne veut pas signer de contrat, il veut s'en aller, il veut nous lâcher comme je sais pas quoi. Kemen qui revient de blessure, ah ça c'est bien ça. Ça c'est très très bien. On va laisser Kabore titulaire pour l'instant. Et du coup, Kemen, on va le remettre là. À la place de Niakate. Et on va remettre Saliusis ici. Voilà, donc Kemen va passer dans l'équipe B hein, pour son retour de blessure. Et puis vous étiez content que Kabore soit dans l'équipe A. Donc on verra, parce que regardez, ils ont tous le même niveau, hein, 68, 69, 68. Avec Kabore, Kemen, Le Borgne, les trois peuvent être titulaires dans l'équipe 1, en fait. Les trois ont le niveau pour être titulaires dans l'équipe 1, donc c'est assez fou. Alors, au niveau du classement, enfin du calendrier, donc on a fait victoire 1-0, victoire 1-0. Prochain épisode, ça sera Montpellier et Nantes, 2 matchs de championnat. Donc au niveau du classement, on est 4e avec un match en moins, on peut revenir premier ex aequo, c'est assez ouf. Hein. C'est assez ouf, très bon début de saison de notre part. 3 victoires 2 nuls, assez excellent. On a pris 3 buts, mais les 3 dans le même match, si je dis pas de bêtises. On avait fait 3-3 contre Caen, donc ouais. Les 3 dans le même match, au niveau des buteurs, bon, on en a pas, mais Salibur qui a déjà 5 buts. Je sais pas si on a un joueur qui a mis 2 buts, nous. Hein. Ouais, on a Le Borgne qui a mis 2 buts, du coup, oui, mais c'est tout. Bergugnu qui est presque dans les meilleurs passeurs, tout comme Faustin, très très bien ça. Maisonial qui est deuxième pour les gardiens, excellent. Excellent, mais du coup, je sais pas pourquoi je fais ça là, j'aurais dû faire ça dans le prochain épisode. Le rapport d'équipe, on le fera dans le prochain épisode. En tout cas, pour ma part, j'espère que cet épisode vous aura plu. Comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur mes dernières vidéos, que ce soit la carrière avec Plymouth ou les deux let's play sur Assassin's Creed et The Witcher. À vous abonner si c'est pas déjà fait, bien sûr. À laisser un j'aime et surtout un commentaire, ça fait toujours plaisir. Pour ma part, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde, ciao ciao.